J'aurai 87 ans dans quelques semaines. Et pendant des décennies, j'achetais des petites entreprises après qu'elles aient grandi. Donc je payais des centaines de milliers de dollars pour les acquérir. Je me disais, je dois les acheter très tôt. Vous savez, ce pays est incroyable. Si vous y pensez, en mettant trois personnes comme moi de bout à bout, pas que je le suggère, mais si vous mettez trois personnes comme moi bout à bout à 87 ans, vous serez à 20 années avant que Thomas Jefferson écrivit la déclaration d'indépendance. Trois cours de vie comme le mien et arriver à transformer un étendu de prairie en une fortune de 92 trillions de dollars. C'est la plus récente estimation de la fortune américaine, à partir de rien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient juste de commencer. Quand vous regardez les gens derrière moi ici, ils sont en train de débloquer leur potentiel. Depuis des années pour certains et récemment pour d'autres. Mais ils ne sont pas satisfaits par là où ils en sont. Ils veulent toujours avancer. Et ce pays leur donne l'opportunité d'en faire autant. Venant ici, un jeune que j'ai jamais rencontré m'avait salué et m'avait dit qu'il vivait à trois pas de chez moi, à Omaha. Je vis dans un quartier de la classe moyenne supérieure. C'est une classe moyenne supérieure parce que j'y vis et ça balance le revenu moyen. Mais les enfants vont dans les écoles publiques. Ils n'ont peut-être pas directement une voiture à leur majorité, mais chaque personne dans ce quartier réside mieux que John Rockefeller Sr. avait vécu quand j'étais né en 1930. Pensez à ça. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, du divertissement, du voyage, vous en citez, ils sont dans une position bien meilleure qu'ils l'étaient quand j'étais né en 1930. Cela au cours d'une seule vie. Et ça ne fait que commencer. Donc chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que vos enfants ou les enfants de vos enfants ne vivront pas mieux que vous, c'est ridicule. Et la preuve, c'est ces jeunes derrière moi. De loin, le meilleur investissement que vous pouvez faire est l'investissement en vous. Par exemple, l'aisance dans la communication. Je dis aux étudiants qui se débattent avec des formules compliquées, etc., si seulement ils peuvent apprendre à mieux communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit, ils augmenteront leur valeur d'au moins 50%. Si vous pouvez communiquer, quelqu'un disait, c'est comme si vous faites un clin d'œil dans le noir. Rien ne se passe. Vous devez être capable d'exprimer vos idées. Et c'est facile. Je l'ai fait moi-même avec les cours de Dal Carnegie. Quelques-uns souhaiteraient prendre un raccourci, mais c'est très important. Si vous investissez en vous, personne ne peut vous le retirer. Un autre point, lequel je suis l'objet de critiques parce que je ne le pratique pas, je dis aux étudiants que si je vous donne une voiture et ça sera la seule que vous aurez pour le reste de votre vie, vous allez en prendre soin. Vous lirez le manuel d'utilisation, vous réparez tout dégât, etc. Vous savez aussi que vous n'avez qu'un seul cerveau et qu'un seul corps. Vous ne devez pas commencer à en prendre soin quand vous avez 50 ans. Là, généralement, il est trop tard. Vous devez vous rappeler que vous n'avez qu'un corps et qu'un cerveau. Faites-en bon usage. Si j'ai à vous donner un conseil de vie, à part ceux dont on vient de parler, je dirais que vous devez vous associer avec des gens qui sont meilleurs que vous. Si vous voulez vous émuler avec quelqu'un, vous devez être prudent quand vous choisissez. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir vos parents. Ils auront une grande influence en vous. Vous n'avez pas le choix sur ça. Mais vous obtenez le choix en grandissant. Et qui vous admirez, qui vous voulez copier, est le plus important pour beaucoup de gens, c'est leur compagne. C'est aussi important en termes de partenaire d'affaires et partenaire de vie. Vous devez choisir quelqu'un bien meilleur que vous. Une autre chose hyper importante, c'est savoir quel domaine est dans votre capacité à évaluer pour en venir à une conclusion intelligente et quel domaine ne l'est pas. Vous n'avez pas à avoir raison sur des milliers et des milliers d'entreprises. Vous devez vous en limiter à quelques-unes. J'étais chez Bill Gates en juillet 1991 et Bill me disait, tu dois avoir un ordinateur. Je lui ai répondu, pourquoi Il dit, tu peux calculer avec ton impôt sur le revenu. Je lui ai dit, je n'ai pas de revenus. Berkshire ne me paye pas de dividendes. Il dit ensuite, dans ce cas, tu peux suivre ton portefeuille avec. Je lui ai dit, j'ai qu'un seul stock. Il dit ensuite, l'ordinateur va tout changer. Je lui dis, est-ce qu'il va changer le fait que les gens mâchent du chewing-gum Il dit probablement non. Et je lui ai répondu que dans ce cas, je garde mes chewing gum et tu gardes tes ordinateurs. Le point est, je n'ai pas à comprendre tous les types de business. Et il y en a tellement que je ne comprends pas. Mais il y a des milliers d'opportunités. J'ai compris le fonctionnement de la Bank of America. Et ça, je suis capable. Je suis capable de comprendre quelques données. Ted Williams a écrit un livre intitulé The Science of Hitting, dans lequel il montre un diagramme avec des zones de frappe divisées en 77 carrés. Chaque carré a la taille d'une balle de baseball. Il dit, si seulement je lance dans les zones de frappe qu'il montre et il a une frappe moyenne de 400, s'il envoie la balle un peu en dehors de la cible, tout en restant dans la zone, sa moyenne retombe à 230. Il dit, la chose la plus importante, c'est attendre le bon pitch. En investissement, il n'y a rien de tel qu'un strike. Les gens peuvent me conseiller d'investir dans Microsoft, General Motors. Je n'ai pas à investir et personne ne viendra me forcer. Je peux attendre et regarder des milliers d'entreprises jour après jour. Et c'est quand je trouve quelque chose que je comprends mieux et que le prix me convient mieux, alors je lance ma balle. Si j'atteins la zone de frappe, c'est parfait. Si je rate, tant pis. C'est un jeu très avantageux. Mais c'est une grosse erreur de croire que vous devez avoir une opinion sur tout. Vous devez avoir des opinions que sur quelques éléments. Et je dis aux étudiants que en faisant des études, on leur donne des cartes ayant 20 points perforés. Et chaque représente une décision d'investissement qu'ils prendront pour le reste de leur vie. Ils deviendront très riches parce qu'ils auront à penser très longuement et profondément sur chacune de ces décisions. Et vous n'avez pas besoin de 20 bonnes décisions. 4 ou 5 feront l'affaire. Donc je me soucie très peu des choses que je ne comprends pas. Si vous comprenez certains de ces business, par exemple Amazon, ce que Jeff Bezos a fait avec Amazon est phénoménal. Je lui tire mon chapeau. C'est un bon businessman et une très belle personne. Mais aurais-je pu anticiper qui aurait eu ce succès et dix autres non Je ne suis pas mieux placé pour cela. Et heureusement, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de me faire une opinion sur Amazon. J'ai formulé une opinion sur la Bank of America, sur Coca-Cola. Coca-Cola est là depuis 1886. Il y a 1,8 milliard de produits Coca-Cola vendus tous les jours. Si vous prenez un centime et obtenez de ces transactions juste un centime, ça fait 18 millions par jour. Et 18 millions multipliés par 365, ça vous fait 6 milliards et quelques. Donc annuellement, vous aurez 6 milliards de dollars à partir d'un seul centime. Ne pensez-vous pas que Coca-Cola ne vaut pas mieux que Joe's Cola Je pense que oui. Et j'ai 120 ans d'histoire qui peuvent le confirmer. Ce sont ce genre de décisions que je veux prendre. Et vous pouvez avoir un domaine d'expertise complètement différent du mien. Et probablement bien à jour en termes d'opportunités actuelles. Et vous pouvez devenir très riche en comprenant simplement quelques-uns. Les écoles de commerce valent-elles vraiment Ça dépend plus sur la personne que sur l'école elle-même. Je n'aurais pas à me soucier. Certains auront des éducations avancées, d'autres en auront très peu. Et personnellement, je pense que ce n'est même pas important que tout le monde aille à l'université. Nous avons tout type d'emplois, ceux qui payent 70 000 dollars par an, tel autre des milliers de dollars, etc. L'université, c'est pas mon truc. Et je ne voulais pas aller à l'université. Mon père le comprenait et s'il y avait un examen ou un truc du genre, il l'aurait fait à ma place. Mais moi, j'aimais investir et pour ça, je lis des livres. Mais l'université, c'est un grand engagement. Ça prend quatre ans en plus des dettes étudiantes, etc. Donc, dépendant de votre intérêt dans la vie, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais pour beaucoup quand même. Il doit y avoir une raison pour y aller et je n'avais pas observé autant.